les enjeux de la thématique d'accès au numérique sont un enjeu démocratique, un enjeu de société. En effet, les personnes qui sont éloignées du numérique, qui ne maîtrisent pas les usages, ne peuvent pas exercer leur citoyenneté, ne peuvent pas être des citoyens à part entière, parce que maintenant tout passe par les usages numériques. On communique par les usages numériques, on fait les démarches de façon numérisée. Les trois quarts des échanges entre le service public et le citoyen se fait par le numérique. Donc c'est un enjeu fondamental de démocratie et de société. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème qui me tient particulièrement à cœur, avec celui de l'inclusion numérique. Vous me demandez si l'inclusion est un travail sans fin, parce que le nombre de gens, disons, en électronisme est toujours le même. On parle de 11, 12 millions, ça dépend des supports. Je pense que c'est tout à fait vrai, c'est un travail sans fin, parce que c'est un enjeu démocratique et ça nécessite une formation pour ne pas laisser ces gens sur le bord du chemin, c'est-à-dire ne pas pouvoir exercer leur citoyenneté. On en revient au même problème que la thématique de l'égalité. Et c'est un travail sans fin parce que ces 12 ou 13 millions sont encore plus nombreuses d'après moi, parce que je pense qu'il y a presque la moitié de nos concitoyens qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc il y a une accélération actuellement, on est dans un saut technologique, dans une révolution, et si les citoyens n'ont pas cette acculturation aux outils, aux usages, ils seront exclus de la société. C'est un enjeu démocratique parce que ça touche les plus faibles et les plus démunis.